Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs vont être à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent, car vu les noms alignés sur la feuille de match, on va se régaler. Voilà un stade magnifique, plein comme un œuf, c'est parfait pour ce match. Et le coup d'envoi a donc été donné. Le Maroc qui cherche l'ouverture. Feghouli. Mandy. Cette possession un peu stérile. Le jeu repart vers la droite. Dans la profondeur. Il est à distance de tir. Mahrez. Il va provoquer. Magnifique, ça passe. Un centre tendu. Il tire. Et bon centre, bien repris. Mais quelle présence du gardien. Tout était bon, le service, le timing. J'arrive pas à croire que ça ne soit pas dedans. C'est joué long. La frappe, attention! Oh, l'intervention magnifique! Bon service dans la profondeur. Voilà une bonne occasion de contre. L'Algérie qui peut avancer. Allez. Oh la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Il cherche la profondeur. Bien tenté. Hakimi qui est récompensé de son pressing. Il cherche son coéquipier. Il a un peu de liberté. Il frappe loin devant. C'est joué derrière. Pas tellement de solutions. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Mais c'est facile, c'est trop facile à lire pour les défenseurs. Ça joue à la babane, il m'énerve là. Oh l'inspiration! Pas loin, mais ça ne rentre pas. C'est un spécialiste des frappes lointaines celui-là. Et ils le savent. Alors s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. C'était dans la profondeur, ça n'arrivera pas. L'ouverture lumineuse. La longue passe. Il est bien placé. Le bon dribble. Et c'est directement récupéré. Allez jusqu'au bout. Repoussé par le poteau. Il manquait pas grand chose là. Le mouvement était impeccable, mais la frappe vient s'écraser sur le poteau. J'espère qu'ils n'auront pas à le regretter. Il était bien présent.
avec Mahrez. C'est joué dans l'espace. Il y a danger. Il va se... peut y aller. Voilà l'ouverture du score. Ça pourrait être un but important. Il marque juste avant la pause. Il était bien placé. C'est la passe qui fait toute la différence. L'Algérie qui a donc ouvert le score. Ils ont le match en main, mais attention à bien rester concentré. Et c'est une bonne situation sur l'aile gauche. Oh, le duel. Voici Feghouli. C'est centré. Et c'est intercepté. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Pas mal ce tacle. C'est la mi-temps où les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle, et nous aussi d'ailleurs. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Le jeu est fluide, les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes. Espérons pour eux que ça continue comme ça. Un seul petit but d'écart entre les deux. La seconde période est lancée, voyons ce qu'elle nous réserve. C'est vrai, mais tout peut aller si vite. Ils devraient continuer à pratiquer le jeu. Ça leur a bien réussi jusqu'ici. Feghouli. Va-t-il en profiter? Ça peut être dangereux. Super arrêt de Bounou. Il sent... Quelle détente! Danger repoussé pour le moment. Ça sent la frappe. S'il le trouve. Oh, le contre, l'arme fatale. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. La tentative. Poteau. Oh, c'était une jolie frappe. Belle frappe à ras de terre, mais ça n'inquiète pas le gardien. Il s'impose physiquement dans ce duel. Un long ballon vers l'avant. Il file côté droit. Il va au duel. Quelle frappe! Et ça venait de loin, il répond présent. C'était une frappe tonitruante, ça a bien failli mettre le gardien en difficulté. Bonne interception, il y avait danger. C'est osé. Il peut y aller. C'est dégagé loin. Ça peut faire mal. Oh, c'est dedans. Et ça fait désormais deux buts d'avance. Tout est magnifique dans ce but. Et c'est donc un changement. Le premier changement n'a pas franchement été décisif, alors là, l'entraîneur abat sa deuxième carte. 2-0, le break est fait, on est reparti. Ce but change quand même beaucoup de choses. À 2-0, on est quand même plus tranquille. Longue passe vers l'avant. Mélanda. Dans l'espace. Il reçoit le ballon. Attention au sang, la tête. Oh, quelle parade! Un peu d'air pour la défense. Ce n'est plus du marquage, c'est du harcèlement. Ils l'ont clairement identifié comme le danger numéro 1, et ils n'ont pas forcément tort. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. Feghouli. Amrabat qui est récompensé de son pressing. Il ne résiste pas au contact. Mahrez, il file vers le but. Il y a danger.
Ça joue long vers l'avant. C'est reparti, ils peuvent contrer. En rabat. La passe dans la profondeur. C'est bien donné. Il frappe. Il décide d'allonger le jeu. Voici Mahrez. Ce sera un coup franc, bien sûr. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. Attal. Coup franc. C'est bien, la passe à 10, il faut essayer d'être plus dangereux. Le ballon dans la profondeur. Mazraoui, il cherche ses attaquants. Un pas d'angoisse, encore un ballon récupéré. Il y a peut-être un coup à jouer. Passe interceptée. C'est joué long. Ça peut partir en contre. Dans la profondeur, bien vu. On joue sur l'aile, il est servi. Il file dans l'axe. Belanda. Et c'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde, qui trépigne. Victoire, c'est donc la victoire finale pour cette équipe et franchement elle est méritée parce que...